soleil tout inclus, on visite un petit pays d'Amérique centrale qui emmène large. Avec sa position stratégique et son littoral qui s'étale à la fois sur la côte Atlantique et sur la côte Pacifique, on peut dire que ce pays fait le pont entre deux mondes. Bienvenue au Panama! Le Panama est le pays le plus au sud de l'Amérique centrale. Sur une carte, le pays ressemble à un petit crochet qui relie l'Amérique du Sud au reste du monde. L'histoire du pays remonte à la nuit des temps. On raconte que ce petit bout de terre qui relie les deux Amériques et les deux principaux océans est depuis toujours un passage obligé. Mayas, pirates, corsaires, tous les navigateurs assoiffés d'or passaient par ici. Le pays fut officiellement fondé au début du 16e siècle par les Espagnols, mais c'est au début du 20e qu'il prit réellement son envol. Il devint officiellement indépendant de la Colombie et surtout, le célèbre canal fut achevé après plusieurs années de travaux. Le pays était né et son canal devint rapidement la coqueluche des Amériques. Aujourd'hui, le pays vit des retombées économiques très lucratives du passage des navires ainsi que du tourisme. On voit de plus en plus de complexes hôteliers se construire et tout comme son voisin, le Costa Rica, le pays s'inspire du développement durable pour créer des aventures écotouristiques palpitantes. Les touristes du monde entier connaissent peu le pays. Peu de gens savent que la faune et la flore sont parmi les plus belles des Amériques et que les plages sont presque désertes. De plus, il existe de nombreux sites à travers le pays qui figurent au très sélect patrimoine de l'UNESCO. Deux océans, un canal, une forêt tropicale humide, des kilomètres de plages presque vierges et de charmants complexes hôteliers qui s'intègrent à la nature, voilà en quelques mots une définition complète du pays. Bienvenue au Panama! Notre première excursion se déroule dans une des villes les plus importantes des Amériques. C'est grâce à son ingénieux canal que l'océan Atlantique et l'océan Pacifique sont reliés, facilitant ainsi la vie à de nombreux capitaines de bateaux qui sauvent près de 15 000 km à chaque voyage. Bienvenue à Panama City! La ville de Panama, qui signifie « zone riche en pêche », fut fondée au début du 16e siècle. Très rapidement, elle devint le point de départ de toutes les expéditions coloniales espagnoles, tant vers le nord que vers le sud du continent. Son emplacement stratégique fut un précieux allié pour son développement, mais également son pire ennemi. La ville et ses richesses suscitèrent rapidement la convoitise des corsaires et des pirates sanguinaires. Après de nombreux pillages et un incendie majeur, la ville fut déplacée dans une région moins à risque, ne laissant derrière elle que des ruines qui sont encore visibles aujourd'hui. La péninsule du Sud-Ouest fut alors choisie pour le nouvel emplacement. Aujourd'hui, Panama la Vieja est une charmante ville à visiter. Les rues étroites, les jolies maisons au style colonial donnent un air de musée à ciel ouvert à cette partie du pays. Lors de votre visite, prenez le temps de découvrir la cathédrale de Panama. Construite entre le 17e et le 18e siècle, la façade du bâtiment a dû être reconstruite au 19e siècle suite à un immense tremblement de terre. Devant, la place de la cathédrale, connue aussi sous le nom de Place de l'Indépendance, se transforme tous les dimanches en un très grand marché public. La nouvelle ville de Panama n'est pas comparable à la vieille. Ici, le béton et les gratte-ciels dominent et les affaires sont plus que prospères. La ville
ville compte près de 800 000 habitants et grâce à ses nombreux édifices en hauteur, la densité de population atteint un honorable 317 habitants au kilomètre carré, ce qui est très peu si l'on compare à Montréal, qui dépasse les 4500. La ville est reconnue comme étant un important centre financier et comme au temps des pirates, ce ne sont pas toujours les plus honnêtes qui l'habitent. Malgré le fait que la ville est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, de nombreuses entreprises à numéro y ont leur siège, en faisant ainsi un repère fiscal international. Il faut dire qu'avec le canal, l'économie tourne rondement et tous les yeux du monde sont tournés vers ce que plusieurs considèrent comme la véritable huitième merveille du monde, le canal de Panama. On considère encore que le canal est un des projets d'ingénierie les plus importants jamais entrepris. Reliant les deux océans, il relie entre autres et surtout les deux côtes américaines. Ainsi, un navire qui part de New York parcourt 9500 km au lieu des 22 500 qu'il aurait à parcourir s'il devait passer par le Cap Horn tout au sud. Cet ambitieux projet vit le jour officiellement à la fin du 19e siècle, alors que le père du canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, essaya de percer le canal de Panama. Mais suite à de nombreux scandales financiers, le projet fut mis sur la glace. Le travail fut terminé par les Américains et vit finalement le jour en 1914. Depuis son ouverture, le canal est un succès financier incroyable, mais surtout un succès maritime inespéré. On évalue à près de 15 000 le nombre de navires qui transigent par les 77 km du canal, transportant ainsi plus de 200 millions de tonnes. Selon les prédictions, le canal devrait accueillir bientôt son millionième navire. En 2002, il en comptait déjà plus de 800 000. Bien qu'aujourd'hui le canal appartienne au Panama, les Américains le considèrent encore comme un des leurs. Tout navire de l'Oncle Sam a priorité. Notre premier hôtel est situé au cœur du centre-ville de Panama City. En y logeant, vous serez à quelques mètres à peine des meilleures adresses de la ville et bien sûr du golfe de Panama et de ses nombreuses plages. Bienvenue au Radisson Décapolis, Panama City. Lorsqu'on loge au beau milieu du centre-ville, il va de soi que la signature de l'hôtel doit se marier avec l'ensemble des bâtiments autour. Le Radisson Décapolis Panama City s'intègre parfaitement à cet univers. L'hôtel de 240 chambres domine le paysage du haut de ses 29 étages. De plus, ses passerelles extérieures permettent de communiquer avec les bâtiments autour, dont le Multicentro, le plus grand centre d'achat d'Amérique latine, qui abrite le Casino Majestic, un des casinos les plus modernes du pays. Lorsque vous logez à cet hôtel, vous logez sous le signe du luxe, de la modernité et du confort. Le lobby de l'hôtel présente un design futuriste très épuré. Les espaces sont grands, les courbes pensées et le mobilier s'intègre dans le décor de façon ingénieuse. Vos premiers contacts avec le personnel au comptoir d'accueil vous confirmeront que vous êtes bel et bien en Amérique latine et que les sourires et la gentillesse sont toujours de la partie. Pour accéder à vos chambres, deux options s'offrent à vous. Si vous êtes en forme, les escaliers ne sont jamais bien loin. Si vous logez aux étages supérieurs, les ascenseurs sont alors conseillés. Toutes les chambres de l'hôtel proposent un environnement sans fumée. À l'intérieur, le design moderne prime. Les espaces sont grands, la décoration est au goût du jour et les accessoires sont dernier cri. On y retrouve un grand lit, une salle de bain complète et un petit balcon qui offre une vue sur la mer ou sur le centre-ville. Dispose d'un plus grand espace. On y retrouve un très grand lit, des plus confortables, ainsi qu'une grande garde-robe pratique. Le
coin salon est immense et tout près, un mini-bar afin que vous ayez tout ce qu'il faut à portée de main lorsque vous relaxez confortablement dans votre univers panaméen. Comme toutes les chambres de l'hôtel, vous disposez également d'un balcon et d'une vue panoramique. Le Radisson Décapolis Panama City propose 4 différentes options pour les repas. Entre 6h30 et 10h30 le matin, le meilleur choix est le restaurant Luxor. Vous y trouverez un immense buffet qui présente les incontournables du petit-déjeuner. Ici, on ne réinvente pas, on ne revisite pas, on sert les grands classiques comme on les aime. Fruits frais en quantité, yogourt, œufs sur le plat, œufs brouillés, bacon croustillant, bref, le buffet de l'hôtel frappe dans le mille et offre à sa clientèle les petits-déjeuners traditionnels qui plaisent à coup sûr. Après le petit-déjeuner, vous pouvez prendre un bain de soleil avant de partir à l'aventure. Le meilleur endroit pour relaxer est dans la piscine principale, située sur un des toits de l'hôtel. Et tout juste à côté de l'immense piscine, on trouve un confortable bain à remous. Cette terrasse sur le toit propose également un espace pour les 5 à 7 tout à fait convivial. Afin de souligner avec brio vos vacances, rien de mieux qu'une bouteille de bulles. Une bouteille bien froide, des coupes glacées et voilà, le champagne peut être dégusté, peu importe où vous êtes. Le champagne demeure le roi des bulles. Le champagne vous laisse indifférent, un bar situé tout près vous permettra de déguster un des nombreux cocktails de la maison. L'hôtel dispose également d'un centre de traitement de beauté et d'un spa. La liste de soins est très diversifiée, allant des traitements spécialisés comme les massages aux pierres chaudes et les bains turcs, jusqu'aux soins plus traditionnels. Même au cœur de la ville de Panama, vous pourrez évacuer le surplus de stress avant d'aller souper. Pour le souper, vous pourrez goûter à la cuisine gastronomique du restaurant Fusion. Le menu élaboré propose une cuisine internationale où les grillades et les fruits de mer sont les vedettes, comme la pieuvre braisée et son ceviche à la sauce pisco. Si jamais l'envie vous prend de manger un gigantesque steak, le Fusion propose un morceau de bœuf Angus de plus d'une livre et demie, soit environ 750 grammes. Pour ceux qui souhaitent manger à l'extérieur de l'hôtel, rendez-vous à la Pizzeria Brava. Cuite sur feu de bois, cette pizza est, selon plusieurs blogs touristiques, la meilleure de la ville. La prochaine expédition vous fera découvrir les environs du canal de Panama. Malgré son immensité, les 77 km de voies navigables entre les deux côtes ne sont pas toutes faites de béton. Allons donc voir ce qui se cache derrière la forêt et les rivières qui l'entourent. Pour cette aventure sur les eaux du canal, vous serez entre bonnes mains. Adventuras 2000 est une des compagnies spécialisées dans ce genre de tour et les guides accompagnateurs connaissent les rives du canal comme le fond de leur poche. L'expédition se déroule sur la partie est du continent, plus près de la mer des Caraïbes. C'est sur le lac Gatun et ses embarquements que vous passerez la journée à jouer à l'explorateur. Le lac Gatun, qui fait partie du trajet de la traversée du canal, est un immense lac artificiel de 425 km², un peu plus grand que l'île de Montréal. Au départ de l'excursion, vous croiserez bon nombre d'installations, de navires et de chantiers qui peuplent le canal. Mais toute cette machinerie, si imposante soit-elle, n'est pas le but de la visite. Vous irez plutôt à la rencontre de la flore et de la faune du Panama.
Aussitôt sorti de la voie maritime, vous naviguerez dans les petites rivières qui alimentent le lac. Les premiers animaux à se présenter sont aussi curieux que vous l'êtes. Les singes capucins sont facilement identifiables avec leur fourrure noire sur le corps, la queue et les jambes et le derrière de la tête. Le contraste du noir avec le pelage blanc devant la tête forme un genre de calotte, d'où le nom capucin moine. Selon des études, le singe capucin peut cartographier mentalement une source de nourriture et même le moment de sa disponibilité. Il est donc normal de voir quelques primates s'exciter à la vue du bateau qui approche. Ces singes sont des habitués de la place et ils savent très bien qu'une fraîche cargaison de bananes est disponible. Alors, c'est lui le boss. Il s'appelle Georges. Il va voler. Il va partir. Voilà. Nourrir des animaux sauvages en forêt n'est pas une bonne idée, et c'est pourquoi il faut le faire avec des experts qui connaissent leur comportement. Il peut arriver qu'à la vue d'un repas, des animaux sauvages, principalement les singes, deviennent agressifs. Fiez-vous au bon jugement des guides qui vous accompagnent, et ainsi tout le monde sera content, les singes autant que les photographes amateurs. À terre, l'excursion continue de plus belle. Cette fois-ci, pas le temps de s'amuser à se balancer dans les arbres ou à courir des bananes. Les fourmis coupe-feuilles sont déterminées et elles ont beaucoup de pain sur la planche. Les fourmis sont d'éternelles travailleuses et dans la forêt tropicale, elles font honneur à leur réputation. Grâce à leurs mandibules en forme de ciseaux, elles découpent les feuilles des arbres et les amènent à la colonie afin de se nourrir et surtout nourrir les larves. La procession des fourmis est comme une autoroute à deux voies. Pendant l'observation des fourmis coupe-feuilles, un drôle de bruit se fait entendre au loin. En fait, c'est plutôt un rugissement qui semble se rapprocher. Pour les néophytes, il pourrait s'agir d'un lion, d'une panthère ou encore d'un dangereux tigre égaré. Mais rassurez-vous, ces animaux ne vivent pas dans cette forêt. Il s'agit plutôt de petits singes hurleurs qui ont décidé de vous souhaiter la bienvenue. Malgré sa petite taille, ce singe est un des animaux les plus bruyants de la forêt grâce à son puissant larynx. On peut entendre son cri à plus d'un kilomètre. En fait, on peut s'imaginer que le singe indique le chemin pour se rendre à une drôle de maison en pleine jungle. Il s'agit d'une station de radio américaine datant de la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'importance du canal de Panama, les Américains désiraient avoir un œil bien ouvert sur les navires qui empruntaient la route entre les deux océans. Cette station servait à informer les autorités américaines des allées et venues des bateaux pendant la guerre. Aujourd'hui, la station est devenue un confortable loft pour de petites chauves-souris qui sont en pleine sieste. De retour sur le bateau, les eaux du lac Gatun réservent une autre surprise. Une dizaine de petits crocodiles apprennent les rudiments de la vie dans l'eau. Aujourd'hui, ils découvriront un de leurs seuls prédateurs, l'être humain. Très docile en bas âge, il est facile d'en attraper un et de pouvoir le tenir entre ses mains. Il faut cependant être prudent pour ne pas le serrer trop fort et ainsi le blesser. Prends comme ça, doucement. Tu peux le tenir comment? Oui, tu prends la queue, parce qu'il est bébé. Encore une fois, ce genre de comportement doit être supervisé par un guide expérimenté. On ne peut s'improviser chasseur de bébés crocodiles, surtout quand la mer est à l'horizon. Thank you.
Sur l'heure du dîner, le guide conduit ses passagers à un endroit qui rend hommage à une chanson de Simon & Garfunkel. The Sound of Silence est une petite île où vous pourrez relaxer tout en cassant la croûte. On peut s'y baigner, faire du kayak, taquiner le poisson et surtout écouter le bruit du silence. En pleine jungle, c'est de la musique pour les oreilles. En route vers le point de départ, un dernier arrêt s'impose. Le centre artisanal Balboa propose une panoplie complète des souvenirs et des pièces d'artisanat à l'effigie du pays. C'est de loin la meilleure façon d'encourager les artisans de la région en achetant nos souvenirs dans ce genre d'endroit où la majorité des profits vont aux bonnes personnes. Sans compter que vous économiserez beaucoup plus que si vous achetiez en ville. La prochaine excursion est tout à fait typique du Panama. C'est en pirogue que vous remonterez une rivière bordée d'animaux sauvages pour ensuite vous enfoncer dans la jungle. Vous rencontrerez une communauté indigène appelée Emberadrua qui compte à peine 70 âmes. Bienvenue dans le parc national Chagres. La journée débute comme toutes les autres. C'est en autobus nolisé que vous parcourrez les premiers kilomètres de la journée. Au loin, vous pourrez apercevoir la forêt tropicale dans laquelle vous vous enfoncerez afin d'aller à la rencontre de la tribu Emberadrua. Une fois l'autobus stationné, la vraie aventure commence. Un peu plus bas dans la rivière Chagres, des pirogues attendent les passagers. La pluie qui ne cesse de tomber rend l'embarquement un peu plus difficile à manœuvrer qu'à l'habitude, mais peu importe, vous avez choisi de vivre une belle aventure sans luxe et sans artifice. Tout est sécuritaire, il ne suffit que de prendre son temps. Lorsqu'on part à la rencontre d'indigènes dans la forêt tropicale, il faut s'adapter aux conditions. Ici, pas de luxueux catamarans ou encore de puissants bateaux. Les passagers prennent place dans un immense tronc d'arbre creusé afin qu'ils puissent accueillir une dizaine de passagers. Heureusement, les pirogues sont équipées de moteurs. Une fois les passagers à bord, les pirogues partent sur les eaux boueuses de la rivière. Avec la pluie qui tombe, la navigation est plus difficile compte tenu de la visibilité qui est presque nulle. Les guides Emberadrua sont habitués et la personne installée devant l'embarcation connaît les pièges à éviter. Pour certains voyageurs, on s'éloigne clairement d'une zone de confort. Une chose est sûre, cette aventure restera à jamais gravée dans leurs souvenirs. C'est plutôt rare de pouvoir jouer aux vrais explorateurs et cette excursion offre cette chance unique. La rivière Chagres s'enfonce de plus en plus à travers une végétation dense. Sur ses rives, les locataires de l'endroit veillent au grain afin que personne ne vienne déranger leur quiétude. Plus loin, ce sont les hérons qui trouvent la journée de pêche plus difficile qu'à l'habitude compte tenu du manque de visibilité. Après quelques minutes de navigation, une pause détente est tout à fait méritée. Vous pourrez vous détendre pendant quelques minutes devant une jolie cascade qui alimente la rivière. Loin des eaux boueuses, cette pause baignade est idéale pour refaire le plein d'énergie. Retour sur la pirogue, il ne reste que quelques mètres à faire avant d'atteindre le village de la tribu. Oui.
son d'une musique traditionnelle que vous serez accueillis. Sitôt débarqués de la pirogue, les femmes, les enfants et les hommes du village viendront vous saluer dans leurs costumes de couleurs vives. Le contraste est étonnant. Vous n'êtes qu'à quelques kilomètres du canal de Panama, un des joyaux de l'ingénierie du monde, et pourtant, ici, les seules traces du monde moderne sont les appareils photos que vous tenez entre vos mains afin d'immortaliser la scène. Cette communauté indigène a immigré sur ce territoire il y a près d'une quarantaine d'années. Ils ont conservé leur mode de vie traditionnel et ils se nourrissent principalement de poissons ainsi que de légumes qu'ils cultivent dans de petits potagers. En guise de bienvenue, vous aurez droit à un plat typique concocté spécialement pour l'occasion. La tribu adore le tourisme et chaque invité qui pose le pied dans le village est considéré comme un ami. Les habitants du village aiment bien partager leur culture. Rico. Oui. Bon, son nom c'est Roger Martinez. Je vous dis bienvenue à la communauté. Dans la communauté, on parle deux langues, qui est le dialecte Mbera et l'espagnol. Après la présentation du chef par intérim du village, place au spectacle de danse traditionnel. Par la suite, les invités du village sont jumelés à un autre afin qu'ils puissent danser ensemble. La journée tire à sa fin. La tradition veut que les touristes offrent des présents aux enfants du village. C'est toujours un moment magnifique pour eux. Avant de repartir vers le monde moderne, vous pourrez vous procurer une pièce d'artisanat fabriquée par les artisans du village. C'est une des meilleures façons d'aider la tribu et de contribuer à son bien-être. Les habitants vont rarement dans les villes où ils pourraient vendre leurs produits. Ils préfèrent que les gens viennent à eux, ainsi ils peuvent montrer leur village et leurs mœurs et coutumes dont ils sont si fiers. Pour les visiteurs, cette aventure dans la forêt tropicale humide du Panama sera une aventure inoubliable. Moi, j'ai trouvé que la communauté, c'était super intéressant, beaucoup de diversité, très agréable à regarder aussi la danse, la nourriture, tout était très, très bien. Pour la tribu des Mbera Drua, c'est une autre journée d'agréables rencontres dans leur coin de paradis du Panama. Au retour de la pause, on visite un immense complexe hôtelier situé à quelques mètres seulement d'un magnifique terrain de golf. Tout le monde à bord. Tous les jeudis, embarquez avec Evelyne Audet. Prêt pour un départ? Votre croisière de rêve est sur le point de débuter. Naviguez sur les eaux du monde entier à bord des plus beaux palaces flottants. Soyez les témoins privilégiés de vues remarquables et d'environnements somptueux. Soyez du voyage et faites escale parmi les destinations les plus enviées à Croisière de rêve, jeudi 20h sur Évasion. 12 participants pousseront leurs forces jusqu'à leur extrême limite. Ça va être malade! Animé par Maxime Martin, ne manquez pas Défi ultime dès le 9 janvier sur Évasion. Préparer un dîner du temps des fêtes, c'est simple. Mais ce qui est encore plus simple, c'est de vous procurer un Ford pendant la vente simple comme bonjour. Jusqu'au 29 décembre, obtenez un taux de financement de 0% sur plusieurs véhicules 2013-9. De plus, les membres Costco admissibles obtiennent un rabais additionnel de 1 000 $. Et faites vite, puisque Ford offre à tous 750 $ en rabais du temps des fêtes. C'est simple comme bonjour, seulement chez vos concessionnaires Ford. Et si vous pouviez profiter des performances d'un système de musique standard sans pour autant vous compliquer la vie? Voici le système de musique Wave 3 de Bose. Découvrez notre technologie exclusive d'enceinte à guide d'onde. Grâce à elle, ce petit modèle surclasse de nombreux systèmes plus grands et plus chers. Et il y a mieux encore.
Les nouveaux contrôles tactiles simplifient l'utilisation et le nouveau synthonisateur FM-AM améliore la réception radio. De plus, vous pouvez programmer deux alarmes et vous réveiller au son de votre musique préférée. Ajoutez des accessoires pour à la fois brancher et charger votre iPod ou votre iPhone sur ce modèle polyvalent. Ou appréciez des heures ininterrompues de musique sur CD avec le changeur de CD. Vous allez même épargner $150 lorsque vous commandez le système avec le changeur d'ici le 31 décembre. La livraison par courrier est gratuite. Appelez-nous pour une offre d'essai sans risque de 30 jours. Le système de musique Wave 3. Simplicité, élégance, performance. Une exclusivité Bose. Faites le tour du monde en empruntant un moyen de transport différent pour chaque portion du trajet. Deux chevaux contre la moto. Attends. 80 moyens de transport, un tour du monde. Dès le 7 janvier, sur Évasion. Notre prochaine destination se trouve sur une grande plage privée qui fait 2 km de long. Paradis pour les golfeurs, cet hôtel propose des séjours tout inclus dans un environnement paisible baigné par l'océan Pacifique. Bienvenue au Royal Decameron Golf Beach Resort and Villas, Panama. Situé à un peu plus de 130 km de l'aéroport de Panama, cet immense complexe hôtelier s'étend sur un très grand territoire privé. L'hôtel de 820 chambres dispose de 3 lobbies. Consulter le plan dès votre arrivée est une excellente idée. Le troisième lobby de l'hôtel est situé à l'ouest du domaine. À votre arrivée, vous serez tout de suite charmé par la courtoisie du personnel. Afin de vous repérer, une carte des lieux vous sera remise dès votre enregistrement. Tout autour du lobby, une jolie cour intérieure propose un avant-goût de la végétation qui pousse tout autour de l'hôtel. Même si le complexe est immense, vous n'aurez aucun problème à vous retrouver. Les indications sont nombreuses, les trottoirs sont impeccables et les différentes zones de l'hôtel sont bien identifiées. Les chambres sont réparties dans des immeubles de 3 étages. Il existe plusieurs catégories selon votre budget. Pour des vacances plus économiques, les chambres standards proposent un hébergement de qualité. On y trouve un très grand lit, un téléviseur à écran plat, un ameublement de bois rustique, un sofa-lit ainsi qu'une terrasse. Les chambres supérieures sont plus spacieuses que les chambres standards. Elles proposent un look plus moderne qui invite à la détente. À l'extérieur, le balcon privé offre également une vue sur la mer. Les voyageurs qui ne regardent pas la dépense peuvent séjourner dans les suites villas. Situées directement sur le parcours de golf de l'hôtel, ces suites sont tout simplement remarquables. C'est en fait un véritable appartement qui vous attend. La chambre est immense et la décoration soignée. Ce qui fait la grande différence avec les autres chambres, c'est que l'on retrouve de véritables pièces tout équipées. La cuisine est plus que complète avec son lavabo double et son immense frigo. Le salon est parfait pour recevoir des invités et on y trouve également une salle à manger avec une grande table et 6 chaises. Du grand luxe! Au pied de ces magnifiques villas, le club de golf Mantaraya propose aux passionnés de sport un superbe terrain. Ce 18 trous de normal 72 s'étend sur plus de 7000 verges de long. On y retrouve un champ de pratique pour les coups de départ, ainsi que des verres pour les coups roulés. Les 18 trous du terrain offrent un environnement spectaculaire entouré d'une végétation abondante. Si vous êtes également amateur d'ornithologie, vous serez comblé. Il se peut fort bien que votre foursome soit accompagné d'un des habitants de la place. Faites attention lors de vos parties. Il existe plusieurs pièges sur le terrain, dont un bon nombre de lacs. Mais si vous désirez jouer dans l'eau, optez plutôt pour l'une des 8 piscines du Royal Decameron. En plus de ne pas vous soucier de votre pointage, la notion de verre prendra une toute autre signification. C'est confortablement assis dans la piscine à débordement que vous aurez droit à un service impeccable. On
On trouve également deux immenses piscines situées tout juste devant la plage. Autant les adultes que les enfants se plairont dans ce labyrinthe d'eau qui comprend des zones de jeu, des jacuzzis et bien sûr, beaucoup d'espace pour la baignade. Et droit devant, c'est la magnifique plage de 2 km qui vous attend. Même si l'hôtel possède plus de 800 chambres, partout sur le complexe, vous aurez l'impression d'être presque seul. On trouve de jolis palapas, tout à fait typiques, un bon nombre de transats et bien sûr, une liste d'activités aquatiques diversifiées. Vous pourrez entre autres faire du pédalo, du kayak de mer ou encore observer le complexe hôtelier de haut en parachute ascensionnel. Mais si toutes ces activités vous laissent de glace, une simple promenade peut faire l'affaire. Et si jamais vous décidez qu'aujourd'hui, même la marche sur la plage est de trop, vous pourrez tout simplement aller vous installer sur une table à massage. L'hôtel propose un éventail complet de soins pour le corps et pour l'esprit. Bien étendu sur votre table, vous serez au paradis de la relaxation. Vous n'aurez qu'à écouter la mer, sentir le vent sur votre peau, pendant que des mains agiles vous plongeront dans un état d'apaisement tout à fait bénéfique. Finissez le tout en prenant un bain moussant, le summum de la relaxation. Restauration, le Royal des Camerons propose une variété de restaurants aussi grande que l'étendue de son domaine. On y trouve 8 restaurants à la carte et 2 restaurants de type buffet. Les buffets sont tous somptueux. On y trouve des spécialités locales et internationales. Il est rassurant de savoir que dans ce type de restaurant, les plats sont toujours frais et l'étape finale de la préparation se déroule directement devant vous. Au Royal des Camerons, on insiste sur la qualité et la fraîcheur de tous les produits. Les restaurants à la carte présentent également un large éventail de goûts et de saveurs de partout à travers le monde. Cuisine asiatique, thaïlandaise, méditerranéenne, bref, tous les épicuriens seront servis dans un décor et une ambiance typiquement panaméenne. Notre dernière excursion promet des moments palpitants. Imaginez-vous attaché à un harnais en train de survoler une superbe vallée. Mettez votre casque, attachez vos ceintures, direction Anton Valley pour une descente en tyrolienne. Anton Valley, mieux connu sous le nom de la vallée d'un éternel printemps, propose un climat frais et printanier à longueur d'année. C'est pourquoi la végétation est si abondante et que la température se situe autour de 20 degrés Celsius. C'est une température idéale afin de s'enfoncer dans la forêt tropicale et aller s'amuser en hauteur. La journée débute à Canopy Adventure, une entreprise qui se spécialise dans le tourisme d'aventure au pays. Qui dit spécialiste, dit aussi sécurité. Avant de vous lancer dans le vide, les instructeurs s'affairent à vous offrir le meilleur matériel disponible et à l'ajuster selon votre poids et votre taille. Ready? Yes! Une fois l'équipement bien en place, il faut se rendre au point de départ. Les guides interprètes de la compagnie sont de véritables passionnés de la nature et du tourisme. Leur anglais est impeccable et, chose rare, leur français l'est tout autant. Et regarde, ce qu'on a ici, c'est l'arbre de caoutchouc. Il est clair qu'à la moindre occasion, vous aurez des spécifications précises sur les espèces animales et végétales que vous croiserez sur votre chemin, comme cet arbre à caoutchouc. C'est les arbres qu'on utilisait originalement pour faire sortir le caoutchouc avant que le caoutchouc soit synthétique. Regarde, 100% naturel, ça vient de la sarde de l'arbre. Très résistant aussi. Très, très résistant. Regarde. Un autre arbre attire l'attention des voyageurs. L'arbre s'appelle sangrillo. Il s'appelle comme ça parce que la sable de l'arbre, c'est de la couleur du sang. Tu vas voir, je vais toucher un petit peu ici. Voilà, c'est de la couleur du sang.
La nature est impressionnante. Cette petite plante est un autre exemple de l'ingéniosité et de la complexité du règne végétal. C'est le dormilona, c'est le nom en espagnol. Cette plante-là, pendant la saison des pluies, elle se ferme pour pouvoir garder de l'eau. Ça se passe quand les gouttes d'eau les touchent. Après quelques minutes de marche, vous voilà prêt à affronter la tyrolienne. Mais d'abord, les dernières consignes d'usage. Très utiles si on considère que c'est ici que vous apprendrez comment freiner. Your right hand is going to be the brake, so the strong hand is going to be always on the line, and that's right. And the left one is going to be on your harness, okay? Because this is the one you're using for braking. Ready, I think. Cette toute nouvelle aventure écotouristique vous permettra de survoler la forêt tropicale. I'm a little scared, but excited. De plateforme en plateforme, vous pourrez admirer de près les beautés naturelles qui s'offrent à vous et vous prendrez un malin plaisir à vous balancer dans le vide attaché à une corde. The National Geographic a d'ailleurs consacré un numéro spécial sur l'endroit ainsi que de nombreux articles. Wow, that was freaking high. Ouvrez grand vos yeux, Anton Valley a beaucoup à offrir aux amateurs d'écotourisme en quête d'aventure. Encore peu connu de la majorité des touristes, le Panama s'ouvre de plus en plus aux voyageurs qui désirent une destination de choix où il est encore possible de marcher sur de longues plages désertes à l'abri du monde moderne. Mais ce pays d'Amérique centrale n'a pas que du sable blanc à offrir. Les amoureux d'écotourisme et de tourisme d'aventure seront choyés par la grande diversité qui s'offre à eux. En très peu de temps, on peut se baigner, soit dans l'océan Atlantique ou dans l'océan Pacifique, et ce, dans la même journée. Si vous souhaitez vivre une aventure dépaysante, vous pouvez aller visiter une tribu indigène dans le parc national Chagres. La balade en pirogue sur la rivière Chagres vous promet un retour dans le temps à coup sûr. Anton Valley réserve aussi son lot de surprises avec ses aventures écotouristiques au goût du jour, dont la tyrolienne qui survole la cime des arbres. En ce qui concerne l'hébergement, le Panama n'est pas en reste. Les grands hôtels du monde ont aussi pied à terre ici. Le Royal des Cameron Golf Beach Resort and Villas Panama propose un immense complexe de plus de 820 chambres où vous aurez l'impression que la plage vous appartient tellement le site est vaste. Si vous souhaitez des vacances plus urbaines, au milieu de la ville, le Radisson Décapolis Panama City et ses 29 étages de luxe et de confort vous attendent. Grâce à son ingénieux système d'écluses, le canal de Panama permet de passer d'un océan à l'autre en sauvant un temps précieux aux compagnies maritimes qui l'empruntent. Passage de l'Est à l'Ouest, pays de l'écotourisme et de l'aventure, le Panama est en train de gagner le cœur de beaucoup de voyageurs qui désirent passer de belles vacances, soleil tout inclus.
Mmh.